Fin 2022, le gros œuvre est terminé et donc la tour à Piscille s'inscrit désormais dans le paysage et dans la skyline lyonnaise. Donc 2023, évidemment, c'est notre dernière année avant le déménagement. Donc évidemment, c'est un projet, on l'a dit depuis le début, c'est pas juste un déménagement, c'est pas juste la construction d'une tour, c'est surtout un projet d'entreprise, hein, puisque on vise deux objectifs principaux. Le premier, réunir l'ensemble des collaborateurs lyonnais sur un même lieu pour faciliter les échanges entre nous et peut-être surtout en profiter à travers l'organisation des espaces pour modifier, moderniser nos manières de travailler. Fait marquant sur 2022, c'est les espaces pilotes. Ces espaces pilotes qui sont en place depuis septembre 2022 et qui ont déjà permis à 250 collaborateurs de passer donc sur les espaces et de vivre une nouvelle expérience de travail, notamment de s'approprier le zéro papier, les nouveaux équipements informatiques, les mobiliers, de les tester. Nous faisons un retour d'expérience à chaque fin de rotation et nous sommes déjà en train de tenir compte de ces retours d'expérience dans nos processus d'appel d'offres. Les espaces favorisent le collaboratif, donc l'innovation, l'émergence de nouvelles idées. C'est aussi un projet qui accélère très fortement notre digitalisation, puisque c'est un projet également zéro papier. Et donc, nous en profitons dans l'ensemble de nos métiers pour être plus efficaces à l'égard de nos clients. Nous organisons également des visites de sites, bien sûr, au sein de la tour, à destination des collaborateurs. L'objectif étant que les collaborateurs puissent se projeter dans leur futur cadre de travail et environnement de travail. Nous organisons également des ateliers de travail sur les sujets sur lesquels les collaborateurs ont exprimé des appréhensions. Je pense notamment au sujet de la mobilité, aux sujets qui sont liés à notre future implantation dans un IGH, donc un immeuble de grande hauteur. Donc pour ça, nous travaillons en concertation avec des panels de collaborateurs. Donc ça, c'est un point extrêmement important sur lequel nous travaillons plus particulièrement sur cette fin d'année 2022. C'est l'occasion de tirer un coup de chapeau aux équipes projet, hein, celles qui sont sur la partie construction, celles qui sont sur la partie déménagement, parce que c'est quand même pas tous les jours ni qu'on construit une tour, ni qu'on fait un déménagement d'une telle importance. Donc c'est vraiment un projet très très fédérateur et je pense que tout le monde a hâte d'emménager dans ces nouveaux locaux.